m'en aille, je prie pour ce message, que cet enseignement éternel, Dieu de gloire, trouve de la place dans nos cœurs et que ça produise de fruits. Change-nous, transforme-nous, influence-nous positivement. Abba, il est dit dans ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant, que vous êtes devenu pur à cause de paroles que vous avez entendues. Je prie Adonai, donne-nous le pélage, Seigneur éternel Dieu, selon la parole qui est prêchée. Transforme-nous, garde-nous fidèles à toi. Seigneur, que ce message bénisse quelqu'un, commençant par moi-même. Que ta grâce, ta faveur soient avec nous en toutes choses. Bénis les internautes, bénis ceux qui sont dans cette salle. Bénis, Seigneur éternel, ceux qui sont en route. Que ta grâce, Abba Père, soit de plus en plus manifeste au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié avec de multiples actions de grâce. Amen. On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous prie de reprendre vos places. Shalom, shalom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde ce soir de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence. Et nous bénissons le mois d'août et bénissons vos vies. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour le culte d'ordination du pasteur Jonathan Mozadi, que nous avons consacré par la grâce du Seigneur le dimanche. Et aujourd'hui, lui et le berger Daniel Aleki de la presse, tout le matériel que nous avons acheté hier, on vous donnera le compte rendu, si pas le vendredi, le dimanche, on vous dira ce que nous avons dépensé, est-ce que nous avons acheté. Donc, ils sont partis avec le berger Daniel pour l'installation des instruments au centre missionnaire Manaïm Kasumbalesa. Et ça nous a déjà donné l'idée de ce que nous devons déjà réunir pour l'extension de Kolwezi. Donc, dans 2 mois, nous allons nous battre et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Certes, le coût est énorme, mais je crois que c'est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur lui-même prendra en charge son œuvre. Et pour cela, nous demandons à l'Église d'avoir une très grande sensibilité. Nous sommes une Église missionnaire. N'attendez seulement pas que l'on fasse les appels de fonds. Déjà, Dieu peut te faire grâce avant même qu'il soit le mois d'octobre. Tu peux avoir 100 dollars, tu peux avoir 50 dollars, tu peux avoir 500 dollars, tu peux avoir 1000 dollars. Même vous qui nous suivez en ligne, nous sommes dans le projet d'implantation des extensions pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Si Dieu vous touche, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer vos contributions. Je crois que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir et vous le rendre. Alléluia. Sur ce, comme nous l'avons dit dimanche, ce mois d'août, nous partagerons la parole du Seigneur autour du thème. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit.
a été dit. Mais moi, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement vient pour reprogrammer un bon nombre de choses. Cet enseignement, le Seigneur nous l'envoie afin de nous réorienter. Le Seigneur nous envoie cet enseignement afin de nous recadrer. Le Seigneur envoie cet enseignement afin de faire tomber le paradigme mental ou encore de forteresses qui se sont érigées dans nos pensées. Parce que nous l'avons toujours dit, l'Église n'est pas seulement un lieu de programmation, de destinée ou de vie, mais l'Église c'est aussi un lieu de reprogrammation. Quand nous venons au Seigneur, il y a des choses que nous avons apprises dans le monde. Il y a des choses que nous avons faites. Il y a des choses que nous avons héritées de la vaine manière de nos pères. Et quand nous arrivons à l'église, nous ne venons pas à l'église pour demander à Dieu de mariage, pour demander à Dieu de voyage. Car l'église du Seigneur n'est pas une agence maritale, moins encore une agence de voyage. Quand nous venons au Seigneur, c'est pour être transformés à l'image de Jésus-Christ et le Fils de son amour par la parole de l'évangile, par la parole de foi, ce que les apôtres ont appelé l'évangile de notre salut. C'est pour cela, quand nous venons à l'église, nous venons prier, nous venons chercher Dieu. Car l'église du Seigneur n'est pas un rassemblement des hommes et de femmes pleureuses. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils sont stressés, ceux qui viennent chercher Dieu parce qu'ils fuient le combat ou les réclamations de leur famille. Quoique dans la foi, nous sommes bénéficiaires de la protection, de la sécurité divine. Mais quand nous venons au Seigneur, c'est pour que la parole de Dieu nous transforme. C'est pour que la parole de Dieu nous change. Car l'apôtre Paul a dit, si notre foi en Jésus-Christ consiste dans le manger et dans le boire, c'est que Jésus-Christ est mort en vain. Car il y a des païens qui construisent des maisons, il y a des païens qui voyagent, il y a des païens qui se marient, il y a des païens qui émergent. Ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas prié. Donc, si Jésus-Christ est mort à la croix que pour nous enrichir, donc notre foi est vaine. Si Jésus-Christ est mort à la croix que pour nous donner de mariage, c'est que notre foi est vaine. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il s'est donné en sacrifice sur le bois de la croix en acceptant d'être flagellé, en acceptant d'être mortifié, pas pour que nos sangs nous puissions nous enrichir, mais que nous puissions devenir enfants de Dieu en le ressemblant selon ce qui est dit par la mort de Christ à la croix. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il n'a pas donné le pouvoir d'abord de chasser le démon, il n'a pas donné d'abord le pouvoir de devenir riche, il n'a pas donné le pouvoir de prophétiser, il a d'abord donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le premier pouvoir que nous avons en acceptant Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord de manifester sa puissance, ce n'est pas d'abord d'opérer des miracles, mais c'est de le ressembler, c'est de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés frères, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui conviennent à l'église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons cette immigration religieuse, pour ne pas dire spirituelle. Nous allons d'église en église, nous allons de pasteur en pasteur, nous allons d'assemblée en assemblée, de communauté en communauté. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est dans telle église qu'il y a des miracles, c'est dans telle église que Dieu bénit. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais donné notre vie au Seigneur pour être changé, mais nous avons donné notre vie au Seigneur pour être béni. Et quand la bénédiction tarde, on pense que là Dieu n'y est pas, alors que c'est nous-mêmes qui devions d'abord être changés avant de recevoir la grâce et la visitation de Dieu. L'église du Seigneur est un lieu de reprogrammation. L'église du Seigneur est un lieu de réorientation. C'est possible d'avoir commencé par l'esprit et d'être mal orienté. C'est possible d'avoir commencé en étant spirituel et tu te retrouves que tu es charnel. Certaines choses que tu ne faisais plus au début de ta marche, que tu ne faisais pas au début de ta marche chrétienne, aujourd'hui tu le fais. Quand la parole de Dieu vient, c'est pour te réorienter, c'est pour te mettre sur le rail et te faire voir que la manière que tu es en train de vivre aujourd'hui ne te sera pas bénéfique si Jésus-Christ revenait
Maintenant, bien-aimés frères, l'église, c'est un lieu de recadrement. Là, l'église, si on n'est pas encadré, nous devons être recadrés. C'est que quand nous venons au Seigneur, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, personne ne dira prêche-le la parole. Non, le message qui est envoyé, c'est d'abord pour moi le prédicateur qui prêche, ensuite ceux qui écoutent la parole qui est prêchée. Car le but, c'est que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ, le Fils unique sorti des entrailles du Père. L'église est un lieu de recadrement. Quand nous venons à l'église, par la parole de l'évangile, par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait le travail de faire tomber les paradigmes mentaux. Il y a des forteresses que nous avons qui se sont déjà érigées dans nos systèmes de pensée. Bien-aimés frères, la Bible déclare, vous êtes devenus purs à cause de paroles que vous nous avez entendues. Donc si les gens pouvaient devenir purs à cause de paroles entendues, c'est que les paroles qu'on entend peuvent aussi nous rendre impurs. Bien-aimés frères, aujourd'hui, il y a des choses, on apprend partout, on entend partout, on est exposé à toutes sortes d'enseignements. Nos enfants à l'école, dans les universités, au boulot, à l'église, sur les réseaux sociaux, le média, on est exposé à un bon nombre d'enseignements. Mais nous devons savoir sur la connaissance que nous avons de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous permettre à filtrer toutes les informations qui nous parviennent. Sinon, si nous n'avons pas une connaissance exacte de la parole de Dieu, nous serons emportés par tout vent de doctrine. Tu te retrouveras dans un bon nombre de choses escroquées, manipulées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enraciné dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment expliquer qu'il y a des gens aujourd'hui sans avoir la télécommande à main, sans avoir sa machine, il peut t'expliquer cette série de 24 heures chrono pour ceux qui l'ont suivi et d'autres séries que nous suivons à la télé. Mais une telle personne, il a du mal à t'expliquer la parole de Dieu, les principes du salut, l'enseignement du temps de la fin. On a du mal à vivre ces choses. Pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église, nous, on a juste besoin qu'on nous dise que Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, tu vas te marier, tes ennemis vont mourir, tu vas monter, tu vas escalader. Mais après, ce qui fait que par moment, quand nous venons à l'église, nous n'avons même pas de Bible, nous n'avons même pas de bloc-notes. 4 ans de vie chrétienne, tu n'as jamais acheté une Bible. Tu n'as pas de bloc-notes. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas. Mais donner une suite chronologique des prédications que nous avons données dans cette église. Et une telle personne, c'est la personne qui va te dire, moi je serai grand, moi je serai élevé. Bien aimé dans le Seigneur, la foi à notre Seigneur Jésus-Christ ne consiste pas seulement en paroles. Non. C'est qu'il y a un bon nombre de choses que nous devons faire. Il y a une certaine manière de vivre pour attirer la grâce et la faveur de Dieu sur nous. Là, je ne suis pas en train de dire, pour attirer la faveur de Dieu, il faut commencer à venir à l'église avec la Bible. Il faut commencer à écrire les prédications loin de là. Mais je suis en train de dire seulement, la grâce de Dieu, nous l'avons au moyen de la foi. Mais la foi doit être manifeste dans notre manière de vivre et dans notre manière de faire. Car on n'est pas chrétien à se promener avec la Bible sous les selles, excusez-moi le terme. Mais il y a une certaine manière de vivre quand on est chrétien. Quand on donne notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit prendra le bâton de commandement, il prendra le relais. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, la vie chrétienne est devenue fade, la vie chrétienne est devenue sans goût. On est chrétien, dans notre milieu, il n'y a personne qui envie notre chrétienté. Même dans nos familles, il y a des gens qui remettent même en cause notre spiritualité. Parce qu'on est déséquilibré, parce qu'on est païen. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Bien-aimés frères, sur ce, n'oublions pas que ce que nous faisons révèle notre état. Soit parce que tu fais, on peut comprendre que tu es spirituel ou encore tu es charnel. Parce que tu fais, on peut comprendre
que tu es bouillant ou tu es froid. Qu'est-ce qui arrive ici? Il y a des gens qui justifient leur paganisme en disant non, Dieu ne voit que le cœur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est dit dans la parole. L'homme voit ce qui frappe l'œil, mais c'est Dieu qui voit le cœur. Mais moi, je ne suis pas Dieu pour voir ton cœur. Moi, je vois ton cœur par ton corps. C'est ta manière de t'habiller qui peut me révéler l'état de ton cœur. C'est Dieu qui voit le cœur parce qu'il habite dans le cœur, parce qu'il est omniscient. Mais moi, je n'ai pas la capacité de Dieu de voir le cœur des gens. Ton cœur peut être reflété par ton comportement, par tes habitudes, par ta manière de faire. Alors, pourquoi nous justifions notre faiblesse, notre désobéissance et notre paganisme en demandant aux gens de faire ce qui revient à Dieu comme responsabilité de juger le cœur? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est mondain, on est charnel. Comment expliquer que tu peux prétendre être spirituel, mais tu t'habilles en exposant toutes les parties de ton corps dehors? Comment prétendre être spirituel alors que tu es alcoolique, tu t'enivres, tu insultes, dans ta bouche des paroles grossières? Bien mes frères, sur la prouve à suffisance, nous avons seulement changé de direction. Autrefois, on buvait dans les boîtes de nuit, mais aujourd'hui, on le fait à la maison. Le comportement, ce que tu fais, révélera ton état. Soit tu es chrétien, soit tu es païen, soit tu es froid, soit tu es brillant. Et quand nous venons à l'église, on a besoin que tous les jours qu'on nous dise les choses que l'on apprécie. Dieu va te bénir. Oui, il va te bénir. C'est sa parole. Mais Dieu bénira. Quel type de personne? Brillant. Oui, Dieu exauce les prières. Mais quel type de prière? La prière du juste. Faisons des prières ferventes, oui. Mais il y a aussi une condition, notre état. La Bible ne dit pas les prières ferventes ont une grande efficacité. Non, la prière fervente est du juste, du juste, du juste. Prière est une chose, mais tu pries dans quel état? Désobéissant, menteur, voleur. Notre état, ce que nous faisons plutôt révèle notre état. Soit on est spirituel, soit on est charnel, soit on est brillant, soit on est froid. Autre chose, ce que nous faisons finira par devenir notre mode de vie. Ce que tu fais finira par devenir ton mode de vie. Ce que tu fais finira par devenir ton caractère. Ce que tu fais finira par devenir ton mode de vie. Bien-aimés frères, pensez-vous que tous ceux qui sont devenus aujourd'hui des voleurs armés, ils ont commencé à voler quand ils sont devenus grands? Mais non, ce sont des enfants peut-être qui volaient des viandes dans les marmites à la maison. Ce sont peut-être des enfants qui volaient de l'argent dans leur maison. Le fait de voler, ils sont atteints un certain niveau. Même ceux aujourd'hui qui se prostituent, ils n'ont pas commencé à se prostituer comme par hasard, non. Ils ont commencé quelque part et le fait de le faire, ça donne le goût, ça donne le goût, ça donne le goût. Après, ça devient leur style de vie. Bien aimé, ce que tu fais révélera ton état. Et ce que tu fais deviendra ton mode de vie. Bien-aimé frère, un homme qui a commencé à mentir en blaguant, il finira par devenir un spécialiste menteur. Un homme qui a commencé à voler, si le Seigneur ne le récupère pas, si le parent ne châtie pas, si le parent ne discipline pas, cet enfant-là ne pensait pas que demain, il sera un homme honnête dans la société. Un jeune garçon qui méprise l'autorité des parents, ne pensez pas que si le Seigneur ne fait pas le travail de régénération par le Saint-Esprit dans son cœur, qu'il sera un homme qui va respecter d'autres personnes dans la société. Jamais. Ça finira par devenir le mode de vie. Bien-aimés frères, comment vous vivez votre vie au quotidien? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie de tous les jours? Comment vous vivez? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Est-ce que vous respectez le Seigneur? Est-ce que vous honorez le Seigneur? Ce que l'on fait
révélera notre état. Et cela finira par devenir notre mode de vie. Et si cela devient ton caractère, cela révélera également à tes agents accompagnateurs. Parce que ce que nous faisons au quotidien attire des êtres, soit les anges, soit le démon. Ce que tu fais ne révèle pas seulement ton état. Ce que tu fais ne deviendra pas seulement ton mode de vie, mais cela révélera également les types d'esprits qui t'accompagnent. Soit tu es accompagné par le démon, soit tu es accompagné par les anges. Bien-aimés frères, nous l'avons toujours dit dans cette église. Sur terre, personne ne me dira qu'il est neutre. Nous sommes dans un monde d'accompagnement. Soit tu es accompagné par les anges, soit tu es accompagné par le démon. Est-ce que vous pensez, c'est normal de voir une petite fille qui n'a que 21 ans, à 3h du matin, elle est sur le boulevard, elle n'a ni arme, ni garde corps, elle est là. À 3h du matin, mais comme tout, elle est faible, elle ne peut même pas se défendre. Mais à 3h du matin, elle est sur le boulevard. Je n'ai rien contre ses soeurs, je prie pour eux et je demande que le Seigneur les visite. Mais est-ce que vous pensez qu'une telle personne n'est pas animée par un esprit? Est-ce que vous trouvez normal un homme qui entre dans la maison de quelqu'un avec une machette et se permet de faire du mal à quelqu'un et ravit ses biens? Pensez-vous qu'une telle personne est normale? Non. Ce que tu fais, frère, cela révèle le type d'esprit qui t'accompagne. Quand tu obéis à la parole de Dieu, l'obéissance et la crainte de Dieu attirent les anges. Et quand tu vis dans le péché va attirer le démon. Personne ne me dira qu'il se prostitue parce qu'il en a le plaisir. Personne ne me dira qu'il a volé parce qu'il veut. Plus tu vas continuer à le faire, ça va devenir ton caractère. Et plus tu seras dedans, ça va attirer des esprits maléfiques. Ou quand tu regardes quelqu'un, sa manière de faire, tu vas te rendre compte, lui là, il n'est pas seul. Il y a une puissance qui anime sa vie. Derrière les actes qu'il pose, il est animé par un esprit impur. Bien-aimés frères, aujourd'hui, assistez au service de délivrance. Vous allez vous rendre compte combien les hommes sont possédés par des esprits impurs. Comment expliquer une petite fille qui n'a que 19 ans, elle peut se permettre à sortir avec un homme qui a l'âge de son père? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais non. Comment expliquer un homme respecté partout? Il a même des petits-fils. Il peut se permettre d'être appelé Guélon ou Trésor par une fille qui a peut-être l'âge de sa petite fille. Mais non, il est possédé. Il y a des hommes bien parfumés ou qui roulent carrosse et parlent un bon français qui doivent venir aux estrades des églises et recevoir la grâce de Dieu par une prière d'autorité et de délivrance afin que ces hommes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le français ne sauve pas. Il y a des gens qui sont païens qui fignolent un bon français. Il y a des gens qui sont riches mais ils sont perdus. Bien-aimés frères, il est grand temps que l'église fasse le travail. Le diable est en train de garer les âmes. Le diable est en train de détruire nos familles. Et nous, à notre tour, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions que Dieu nous donne le mariage. Bien, mes frères, vous pensez que tous ceux qui se marient dans cette vie de Lubumbashi, ils sont chrétiens? Mais non. Tous ceux qui construisent des maisons qui poussent comme des champignons, bien, mes frères, ce n'est pas des maisons de chrétiens. Ce n'est pas des établissements de chrétiens. Il y a ceux qui sont dans l'hindouisme. Il y a ceux qui sont dans la Maïkari, ceux qui sont dans la Rose-Croix. Qui construisent? Mais nous, en ces temps-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous croupissons et nous prions. Bien-aimés frères, l'apôtre Paul a dit, ce que je désire, ce que je veux faire, je n'ai pas la force de le faire, mais ce que je veux, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que derrière cela, il y a une puissance qui le réclame. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou tu sens ton esprit te dire, ne le fais pas. Mais c'est plus fort que toi et tu finis par tomber. Dis-toi, c'est pas toi, il y a un esprit derrière cela. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Combien de gens en viennent et confessent le péché? Parce que je suis tombé dans le péché de la masturbation. J'avais des envies. J'ai prié, j'ai parlé même en d'autres langues, mais je n'ai pas pu.
Une semaine, deux semaines, après la première semaine, j'ai lâché prise. Ce que l'on fait, au-delà que cela devienne notre caractère, ça révèle les agents accompagnateurs. Et par moments, il faut être sérieux. Te mettre devant ton miroir et te poser des questions. Ce que je suis en train de faire ici, quel est l'esprit qui m'anime? Est-ce le Seigneur qui m'accompagne dans ce que je fais? Ou je suis possédé par des démons? Et par moments, quand on pose des questions, ceux qui ont des problèmes spirituels, enregistrez-vous, on va prier pour vous. Je vois beaucoup de gens faire semblant. Mais quand on te regarde toi-même, déjà avec même certaines choses que tu dis, on sent que tu as des problèmes spirituels. Et les agents accompagnateurs révèlent ton appartenance. Les types d'esprits qui t'accompagnent révèlent ton appartenance. Si tu es accompagné par des démons, donc, tu es dans quel royaume? Des ténèbres, n'est-ce pas? Si tu es accompagné par les anges, tu es dans quel royaume? Royaume de la lumière. Et il y a des gens aujourd'hui qui se fâchent parce qu'on lui a dit, tu es possédé par des démons. Alléluia. Est-ce que as-tu déjà vu quelqu'un qui se fâche parce qu'on lui a dit que tu es congolais? Mais non, je suis congolais. Quand tu dis que je suis congolais, je suis congolais. Et si quelqu'un te dit tu es possédé, eh bien frère, il n'y a pas à discuter. Oh non, tu m'as insulté. Non, ce n'est pas une insulte. On a seulement dit que tu es possédé. Pourquoi on a dit que tu es possédé? Ce que tu fais ressemble aux hommes qui sont possédés. Ce que tu as à faire n'est pas de te fâcher ou, je ne sais pas, blâmer la personne. Il faut chercher ta délivrance. Ça c'est là au Congo, quand tu vois quelqu'un, tu dis tu es Moulouba, il se fâche. Tu es Mouyaka, il se fâche. Frère, Oza Mouyaka, Oza Moulouba, Oza Kaseye. Ce que tu m'as dit, Oza Kaseye, pourquoi tu te fâches? Et quand on dit tu es enfant de Dieu, là on dit oui, je suis enfant de Dieu. Mais quand on dit que tu es dans l'autre monde, ça devient un problème. Donc les agents accompagnateurs sont aussi révélateur de notre appartenance. Les types d'esprit qui t'accompagnent révèlent ton appartenance. Soit tu es dans le royaume de ténèbres, soit tu es dans le royaume de la lumière. Et c'est ce royaume qui est gouverné par le Saint-Esprit de Dieu. Autre chose, ton appartenance révèle ton éternité. Ton appartenance révélera également ton éternité. Soit tu passeras cette éternité dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, soit tu les passeras dans la géhenne, le feu éternel. Bien-aimés frères, après cette vie, il n'y a que la vie éternelle qui nous attend. Soit l'éternité devant Dieu, soit la vie éternelle, mais bannie dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Ceux qui vivront en enfer vivront éternellement, mais loin de Dieu, dans les tourments, le grincement de dents. Et ceux qui seront récompensés parce que ils ont vécu comme justes en obéissant à la parole du Seigneur, ils seront dans la nouvelle Jérusalem céleste où ils seront consolés par le Dieu d'Abraham. Bien-aimés frères, je reviens sur le texte de Matthieu chapitre 5 que nous avons lu. La Bible déclare au verset 19, il est écrit, c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, sera appelé les plus petits dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui les observera et qui enseignera à les observer. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, pour ne plus enseigner aux autres de supprimer que celui qui a déjà supprimé. Ne plus enseigner aux autres d'observer que celui qui observe. Parce qu'il y a une vérité importante à retenir dans cette histoire. La désobéissance, en parlant de Dieu,
a pour conséquence le fait d'être banni dans la présence de Dieu. Car nous l'avons toujours dit, quand Dieu est en accord avec un homme, il le bénit. Quand il est en désaccord avec un homme, il le maudit. Ce qui nous amène d'être en accord avec Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Et la désobéissance à la parole de Dieu, selon Deutéronome chapitre 28, attire la malédiction sur nous. Eh bien, désobéir et enseigner à désobéir a pour conséquence l'appellation d'être les plus petits dans le royaume. Être petit dans le royaume, c'est les conséquences de ceux qui ont amoindri ou qui ont désobéi à la parole de Dieu. C'est lui qui supprimera et enseignera aux autres de supprimer, celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume. Et celui qui observera et enseignera aux autres d'observer, alors celui-là, il sera appelé comment? Grand dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères, qu'est-ce qui arrive ici? Vous allez vous rendre compte, la vie chrétienne, le Seigneur est en train de mettre de l'emphase sur deux aspects. Faire et enseigner. En lisant cette portion d'écriture de Matthieu 5, 19, l'emphase est mise sur deux choses. Faire et enseigner. Alors je voudrais que vous lisiez avec moi Actes chapitre 1, le verset 1. Actes des apôtres, chapitre 1, je suis au premier verset. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, ok, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé. Pas d'abord de dire, pas d'abord d'enseigner, ce que Jésus a commencé d'abord de faire et d'enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui donne la force à l'enseignement, c'est la vie de celui qui enseigne. C'est pour cette raison que la Bible déclare, quand le frère Paul conseille à Timothée, il dit veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement doit d'abord enseigner, sauver, recadrer la vie de celui qui est porteur de l'enseignement avant de transformer la vie de ceux qui seront enseignés. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il n'a pas d'abord commencé d'enseigner sans faire. Non, c'est que Jésus vivait ce qu'il enseignait. Il était en train de pratiquer ce qu'il enseignait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui aujourd'hui a affaibli l'évangile, ce n'est pas la révélation qui nous manque. Ce n'est pas la parole que nous ne prêchons pas, mais c'est la vie de ceux qui prêchent qui détruisent ou diminuent l'efficacité ou la puissance de l'évangile. Bien-aimés frères, ce que j'ai aimé dans cette écriture, c'est que Christ n'a pas commencé d'enseigner, il a d'abord commencé à faire. Et ici, je tire les oreilles de tous les prédicateurs de l'église. Commencez à vivre avant de nous dire ce qui est écrit dans les écritures. Il a commencé à faire avant d'enseigner. Bien-aimés, obéissons à la parole de Dieu. C'est lui qui supprime et qui enseignera aux autres de supprimer. C'est lui qui observe et apprendra aux autres d'observer. Pourquoi il apprendra aux autres d'observer? Parce que lui-même observe. Donc, ceux qui seront en contact avec toi, ils vivront les résultats soit de ton obéissance, soit de ta désobéissance. Alors qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Nous avons besoin que les gens soient changés comme par enchantement. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'avoir le micro, ce n'est pas le fait de crier qui fera que ton cœur et ton âme plient derrière les paroles qui sortent de ma bouche. Non, c'est la qualité de ma vie qui soutient les paroles que je te prêche. Ce que nous devons faire, faisons avant d'enseigner. Vivons avant de dire.
Jésus est bon alors que toi-même tu as un mauvais cœur. Jésus est saint alors que toi-même tu vis dans le péché. Bien-aimés frères, le verset 20, le bien-aimé sauveur s'élève et dit, Matthieu chapitre 5, le 20e verset, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Quand je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle de scribes et de pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est votre justice. Pourquoi le Seigneur était en train d'appeler ses disciples, de les conscientiser pour que leur justice puisse dépasser ou surpasser la justice de pharisiens? Parce que le pharisien, vous allez vous rendre compte, le bien-aimé sauveur au jour de sa chair, il les appelait le tombeau blanchi. C'était des gens qui veillaient observer la loi que par l'apparence extérieure. Ils faisaient de longues prières. Il voudrait occuper, il voulait occuper plutôt la première place dans les synagogues. Il s'est morfondé, il s'est promené tout en étant frileux pour que les hommes voient. Quand il jeûnait, il manifestait une certaine apparence et comportait d'une certaine manière pour attirer le regard des hommes. Ce qui les intéressait, c'était tout ce qui avait trait à l'aspect extérieur. Mais quand le Seigneur arrive, il nous dit non, si votre justice ne surpasse celle de pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est qu'au-delà de l'apparence extérieure, on doit obéir à la parole de Dieu. On doit veiller sur l'état de notre cœur. Bien-aimés frères, la Bible n'a pas dit qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples quand vous allez parler en d'autres langues, quand vous allez donner les dates de naissance des gens, quand vous allez donner les noms et les prophéties. Je ne sais pas, chirurgical et tout ce qui... Non, non, la Bible clair, on va reconnaître qu'on est enfant de Dieu par notre manière de nous aimer. Parce que aimer est divine. Et donner également, mais vous devez savoir, donner n'est pas toujours synonyme d'être touché par Dieu. Cela est justifié par 1 Corinthiens 13. La Bible clair, même si j'ai donné mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira à rien. Bien-aimés frères, il y a une chose que nous devons retenir. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Nous sommes comme ces femmes. Quand elles veulent sortir de la maison, après avoir pris la douche, on se met devant la coiffeuse. On commence à se maquiller. Sourcils plaqués, ongles plaqués. Aujourd'hui, il y a même des lèvres plaquées. On met le fond de teint, on embellit le visage. Tous les taches qu'il y a sur le visage, on met un peu de make-up. Et quand on sort, on brille. Et quand on rentre, on est quelqu'un d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne parlez pas en notre langue parce que vous voulez cacher votre méchanceté. Ne vous habillez pas décemment parce que vous voulez couvrir vos impudicités. Vous devez être transformé par la parole de Dieu. Ce que tu seras devant nous, tu dois également l'être devant Dieu. Parce que nous ne voyons que l'apparence extérieure. Mais le Seigneur te demande à veiller sur le tas de ton cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui mettent le parfum de grand prix. Mais quand ils se tiennent devant Dieu, ils sentent mauvais. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle, il dit partout où nous arrivons, nous dégageons l'odeur de la connaissance de Christ. C'est l'odeur que nous devons dégager. Combien aujourd'hui sont de Jacob, mais dans la peau de Saül? Isaac a posé la question. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Saül. Parce qu'on a une double vie. Bien-aimés frères, parler notre langue n'est pas une licence pour hériter le royaume des cieux. Être tous les jours à l'église, l'église n'a pas une liste de présence où tu vas dire à Jésus, j'étais à l'église mercredi, j'étais à l'église vendredi, j'étais à l'église dimanche, tous les programmes de mon église, j'assistais. Non, c'est les œuvres qui te fera entrer, c'est les œuvres qui te feront accepter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est connu par tous les pasteurs et les prophètes de la ville de Lubumbashi. Mais nous sommes méconnus de Dieu.
on peut parler avec les hommes de Dieu jusqu'à 23h minuit, jusqu'au petit matin. Mais nous-mêmes, nous sommes incapables de passer 30 minutes devant le Seigneur. Bien-aimés frères, le Seigneur ne nous demande pas à prier pour chasser les démons, pour demander moi encore intercéder. Non. Le premier but de la prière, c'est d'abord la communion avec Dieu. Pas d'abord demander, pas chasser le démon, prière d'autorité, mais non. La prière, c'est d'abord la communion avec Dieu. C'est après avoir communion avec Dieu que je peux me tenir devant lui et lui adresser mes demandes. Adresser ou formuler si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dit dans la parole de Dieu? La prière sacerdotale, notre Père qui est aux cieux. Notre Père d'abord, la relation. Notre Père, la relation. Qui est aux cieux, l'emplacement. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne peut venir qu'au milieu des hommes qui ont sanctifié son nom. Des hommes qui connaissent l'emplacement spirituel et des hommes qui ont une relation avec Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez là où la demande va intervenir. Donne-nous le pain quotidien. Mais nous, tout commence par le pain quotidien. On y peut, frère. Il y a par moment, on se moque de toutes ces personnes qui sont en train de quémander en cours de route, mais nous sommes pires que ces gens-là. C'est que ces gens-là, les démunis sont devant toi, c'est ce que tu es devant Dieu. Parce qu'entre toi et ces gens-là, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation. Quand il te voit, il n'a même pas besoin de connaître ton nom, il n'a pas besoin de connaître ton adresse, il n'a pas besoin de connaître ton état. Lui, il a besoin d'argent. Et c'est la même manière avec toi. Quand tu es devant Dieu, tu n'as pas besoin de les connaître. Tu n'as pas besoin d'obéir à la parole de Dieu. Mungu Noah, Mungu Kazi, Mungu. Des ministres spirituels. Et c'est une telle personne qui va se réveiller le matin à minuit. Nikuna kata, nikuna vunja. Frère, quel est le courage par moment que nous avons? La Bible déclare, car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle de scribes et de pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous puissions poser des actes pour lui plaire, pas pour que les hommes nous apprécient. Pas pour que les hommes, mais tu es un bon frère, tu es une bonne sœur. Oui. Il y a même par moments des gens qui impressionnent. Ils veulent tellement impressionner même dans leur adoration. Ils ont des termes compliqués même quand ils adorent. Frère, tu veux impressionner qui? La personne qui est à tes côtés? Dieu n'a que faire de ton français. Dieu n'a que faire de ton anglais. Dieu n'a que faire. Il n'a que faire de tes gros mots. Il n'a que faire. Bien-aimés frères, le verset 21 et le verset 22, je suis en train de chuter. On va prier le Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, ça c'est ce que j'aime. Ça c'est ce que j'aime avec le bien-aimé Sauveur. Ils étaient tellement attachés à la loi, mais sans le comprendre. Quand le Seigneur est venu, il a commencé à expliquer, il a commencé à simplifier la loi de Moïse. Jésus dit, Moïse vous a dit, c'est lui qui tuera sera jugé par les juges. Mais moi je vous dis, et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Parce que la loi en soi, selon les Écritures, la loi était un pédagogue qui avait pour mission de nous amener vers le Christ. La loi n'était que l'ombre des choses à venir. Et Christ en est l'accomplissement, parce qu'il est l'accomplissement de la loi. Et quand le bien-aimé Sauveur est venu, il a dit dans la loi, il a été dit à nos pères, il a été dit aux anciens, que celui qui tuera sera jugé. Mais moi, je vous dis, et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quiconque se met en colère contre son prochain, contre son frère, mérite d'être puni par le juge. Alors, en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, la loi jugeait les hommes d'abord.
reposer. Mais le Seigneur, quand il arrive, il nous ramène aux intentions qui produisent les actes. Pourquoi j'ai tué? Jésus dit, le problème n'est pas l'acte, meurtrière. Le problème, c'est d'abord les intentions qui a poussé le meurtrier à tuer. Quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse chapitre 4, le verset 5. Pourquoi Caïn a tué Abel? Le problème, ce n'est pas l'acte que Caïn a posé, mais le problème, c'était la source du meurtre. Genèse chapitre 4, le verset 5. La parole de Dieu s'explique. Ok. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut comment? Il fut comment? Très irrité. Et son visage fut abattu. Donc, avant de condamner Caïn, avant de juger Caïn, pourquoi il a tué Abel, la première des choses à juger, c'est la colère de Caïn. La Bible clame, si Caïn a tué Abel, parce que Caïn fut très irrité. Caïn s'est mis en colère. Pourquoi il s'est fâché? Parce que le Seigneur avait agréé l'offrande d'Abel et il a agréé Abel lui-même. Mais au lieu de poser la question à Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'agrée? Caïn se fâche. Il dit non, ça c'est injuste. Et il y a des gens comme ça dans les églises. Quand il s'est élevé par le pasteur, on se fâche. Pourquoi seulement lui? Qu'est-ce que lui a de précieux? Qu'est-ce que lui se fait que moi je n'ai pas? Bien aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent nous juger par rapport aux actes que nous avons posés, mais le Seigneur va plus loin. Il juge les intentions, il juge les motivations, il va à la source. Et c'est là que chacun d'entre nous sera jugé devant le trône de Dieu. Pourquoi aujourd'hui on s'entretue? Pourquoi des accusations dans les églises? Pourquoi il y a des combats? Pourquoi il y a des empoisonnements? La colère. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi seulement Abel? Pourquoi? La Bible déclare Caïn fut très irrité. Et le Seigneur nous dit, les juges selon la loi, il juge l'homme d'après l'acte qu'il a posé, ça veut dire le meurtre. Mais moi je vous dis, c'est lui qui se met en colère contre son frère, il doit être jugé. Donc il faudrait juger la colère de l'homme avant qu'il ne soit passé à l'acte, pour qu'il reçoive la réprimande ou la correction, que d'attendre qu'il tue pour venir le juger. Parce que le jugement ne va pas ramener celui qui est tué. Bien aimé frère, vous savez, le problème, ce n'est pas vouloir corriger l'homme qui est déjà égaré. C'est pour cette raison que la Bible déclare, très tôt, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Autrement dit, tu dois recadrer l'enfant quand il est encore petit. Parce que si déjà le mal l'a déjà emporté, bien aimé frère, est-ce que vous trouvez ça normal? Caïn était déjà en... Bien aimé, un homme colérique n'écoute personne. Dieu est venu conseiller Caïn. Ce n'était pas Adam. Non, non. Ramenez-moi l'écriture. Genèse chapitre 4. Le verset 6. Il fut très abattu. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien aimé frère, Caïn était déjà en colère. Dieu vient, il donne un conseil à Caïn. Il dit, pourquoi tu es irrité? Le péché se couche à ta porte. Et le mal se dirige vers toi. Mais toi, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Donc, la colère a la capacité de courber un homme. Et pourquoi l'homme va se courber? Parce que là, il voudra se déguiser. Quand déjà un homme a déjà conçu le mal et qu'il veut te faire du mal, il ne te donnera pas l'impression qu'il te hait. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, nous avons des gens qui ont l'impression de nous aimer, mais ils ont dans le coup bas, dans le critique, la calomnie, le mépris. Mais quand ils sont devant toi, ils peuvent te sourire comme il était de cœur avec toi. Le Seigneur, ce n'était pas un pasteur moins consacré. C'est Dieu qui s'entretient avec Caïn. Il dit, Caïn, écoute, le mal se couche à ta porte. Caïn a refusé le conseil de Dieu. Pourquoi? Parce que les nerfs étaient déjà tendus. La colère. Dieu parle et conseille cet homme. Il dit, Caïn, ne fais pas du mal à ton frère. Alors que la loi disait, un homme qui a commis un meurtre, les juges doivent le juger. Le Seigneur arrive et dit non, malgré vos institutions judiciaires, malgré tout ce que vous avez comme loi, n'attaquez pas le cause, faudrait attaquer le fait. Et c'est quoi le problème ici? Le cœur. La colère. La Bible déclare, c'est lui qui se met en colère contre son prochain, contre son frère, sera puni par les juges. Bien aimé, mais peut-être en lisant cette portion d'écriture, tu n'as jamais prêté attention à la suite. Tu n'as jamais prêté attention. Le Seigneur, quand il parle, il dit, c'est lui qui commettra un meurtre selon la loi. Les juges doivent les juger. Mais Jésus dit non. Ne jugez pas celui qui a tué. Jugez plutôt celui qui a la chose qui peut faire de lui meurtrier. Parce qu'aujourd'hui, par moment, j'ouvre une parenthèse, on attaque le pécheur. On attaque l'impudique. On attaque le voleur. Tu es voleur. Tu es ceci. Bien-aimés frères, n'attaquons pas les conséquences. Mais eh bien, prêchons la parole pour que le Saint-Esprit fasse le travail et qu'il y ait la régénération. Quand déjà le Saint-Esprit prendra le relais, le voleur ne volera plus, l'impudique ne se prostituera plus, le menteur ne mentira plus, le ne va plus haïr. Alors, qu'est-ce qui arrive? Jésus, quand il parle, Matthieu chapitre 15, le verset 19. Matthieu 15, le verset 19. La Bible s'explique. Matthieu 15, 19. Il est écrit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent le meurtre. C'est du cœur que viennent les adultères. C'est du cœur que viennent les impudicités. C'est du cœur que viennent le vol. C'est du cœur que vienne le mauvais témoignage. C'est du cœur que vienne le calomnie. Donc, si le problème c'est le cœur, ne nous attaquons pas d'abord à ce que le cœur a produit. Attaquons-nous au cœur. Traitons le cœur de l'homme. Ainsi, il ne sera plus meurtrier, il ne sera plus adultère, il ne sera plus impudique. Le problème c'est le cœur. C'est pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que tout, car c'est du cœur que vienne les sources de la vie. Bien-aimés frères, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, ce qu'on vous a dit, les hommes peuvent s'attaquer aux causes. Mais moi, je vous dis, c'est du cœur. C'est le cœur le problème. Combien de parents aujourd'hui ont chassé les enfants? Oh non, l'enfant est sorcier. Est-ce que le chasser va finir sa sorcellerie? Tu n'as rien fait. Est-ce que chasser cet enfant fera que tu récupères ce qu'il a déjà donné dans ce monde-là? Mais non, n'attaquons pas aux actes, aux actions des hommes, mais plutôt prions pour la régénération de l'homme intérieur. Prions beaucoup plus pour le cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'esprit évangélique, nous l'avons perdu. Parce que quand tu as évangélisé une, deux fois, tu as donné conseil trois, quatre fois, et que la personne n'a pas changé, tu te fous, tu dis, écoutez, yosa incrédule, oh yamali lobanza, maintenant, le problème c'est le cœur. C'est le cœur. Priez pour le cœur. Réclamez le cœur des hommes dans la présence de Dieu. Et tous les jours de ta vie,
Seigneur, transforme mon être. Régénère mon homme intérieur. Bien-aimés frères, et la suite. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare dans Matthieu, chapitre 5. Je reviens, Matthieu chapitre 5. Oh Seigneur, aide-nous. Matthieu chapitre 5, le verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère, Raca, c'est que la colère a toujours été accompagnée par des paroles grossières. Voyez-vous, celui qui se met en colère et fait quoi? Dira. La colère a toujours été accompagnée par un esprit d'insulte. C'est lui qui se mettra en colère contre son frère sera puni par le juge. C'est lui qui dira. Qui dira ici? C'est celui qui est en colère. Parce que quand vous lisez le texte ou le manuscrit, vous allez vous rendre compte, il n'y a pas de virgule et tout ce que lui second nous a mis. La Bible déclare dans le texte original, vous allez vous rendre compte, il est dit, c'est lui qui se mettra en colère contre son frère. Et lui dira, Raka, celui-là sera jugé par les juges. Autrement dit, c'est lui qui se mettra en colère contre son frère et l'insultera. Raka veut dire vaurien. Raka veut dire dépourvu d'intelligence. Raka veut dire tête creuse ou encore tête de mule. Comme on l'a toujours dit, déjà c'est une insulte. Combien de gens aujourd'hui, quand ils se mettent en colère, ils sont en transe. Ils peuvent être en train de parler. Il est en train de postillonner. Il y a des postillons qui sortent. Il a les yeux qui tournent dans tous ses sens. Et quand vous allez poser la question, c'est toujours la soeur, le frère qui parle beaucoup en d'autres langues ou c'est quelqu'un d'autre? Combien de femmes aujourd'hui ont détruit leur foyer sous l'effet de la colère? Combien d'hommes aujourd'hui, ils ont fini à lever la main sur leur femme parce qu'ils ne savent pas maîtriser leur colère? Combien de frères et de sœurs se sont blessés dans les églises sous le feu de la colère? C'est que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, celui qui commettra un meurtre sera jugé par les juges. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère, Raca, c'est lui qui dira à son frère, tu n'es pas intelligent. C'est lui qui dira à son frère, tu es bête. C'est lui qui dira à ton frère, tu es moche. C'est lui qui dira à son frère, tu es ceci. C'est lui qui utilisera les paroles grossières, les paroles banales, les insultes contre son frère. Celui-là, il est digne d'être puni par les juges. Donc, si nous devons mettre ensemble ces histoires, ces textes plutôt, vous allez vous rendre compte, là où l'esprit de colère règne, les insultes ne sont pas loin. Et ce soir, si je posais la question, qui est colérique? Tous ici, personne ne va se manifester. Pourquoi? Ils vont penser que moi là, je suis colérique. Donc j'insulte. Et la Bible déclare, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. C'est ça le problème avec nous. Nous n'avons même plus le temps de nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. Pourquoi? Parce que les frères vont penser, parce que les soeurs vont penser. Alors que faire? Si seulement ce soir je dis ici devant, qui est tombé dans l'impudicité le mois passé, passé devant, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va passer? Encore cette église là. M'a dit pardon, je ne vais pas passer. Alors peut-être le Seigneur voulait qu'en passant, qu'en acceptant cette humiliation devant les hommes, que le Seigneur te relève. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons du mal à confesser le péché. Alors que quand vous allez dans l'église primitive, le magicien n'avait pas honte. Il venait avec leur livre magique devant les gens et on les brûlait. Il recevait des gens. Et la Bible dit, confessez vos péchés. Les unes envers les autres. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut se faire dans nos églises? Pourquoi? Parce que nous avons de mauvais cœurs. Tu peux voir quelqu'un, il vient ici, il dit, pasteur,
moi je suis impudique comme des livres. Et la personne qui va aller répandre ça dehors, lui n'est pas seulement impudique, mais elle a déjà avorté. Elle oublie ses propres péchés, mais elle va seulement faire un panneau pour dire, tu vois la sœur là, c'est elle qui était passée. Mais toi, tu as oublié que dans ton œil, la poutre. Ça, c'est l'église de ma génération. Bien-aimés frères, Jésus ici, quand il parle de la colère, il relie la colère aux paroles grossières. Il dit, c'est lui qui dira à son frère, Raca, tu es vaurien. Et combien de parents aujourd'hui détruisent la destinée de leur propre enfant par leurs paroles. Quand déjà ton enfant te met en colère, tu dis, toi tu penses dans la vie, tu feras quoi? Mais tu y es en train d'hypothéquer ta vieillesse. Et demain tu attendras que cet enfant là devienne qui? Et c'est pour cette raison que vous voyez, il y a des parents qui ont des enfants, mais ils vivent aux auspices des vieillards. Pourquoi? Parce que leurs enfants, ils ne sont rien dans la vie. Et qui a fait que ces enfants là soient fauchés? C'est papa, c'est maman, parce que sous le feu de la colère, on n'a pas su contrôler sa langue. La Bible clame, la langue ici, c'est un petit membre, mais qui embrase. Est-ce que tu sais dompter sa bouche? Un homme sage est celui qui sait se taire quand il est en colère. Ça, c'est la sagesse. Vaut mieux encore que tu entres en mode silencieux ou en mode vibreur que de parler. Parce que la colère, elle est passagère, mais les dégâts causés par la colère, elle peut créer plus de dégâts que si tu t'étais tu. Et si tu sens que ça s'est passé à la maison, frère, tu peux sortir. Aller te promener. Bien aimé frère, c'était parmi les péchés qui pouvaient m'amener en enfer, la colère. J'étais un homme très colérique. J'étais un homme très, très colérique. Donc moi, quand j'entrais en colère, frère, dégâts, je vous dis, dégâts, il y a dégâts. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me suis mis à prier. Seigneur, change. Seigneur, change. Bien aimé, écoutez, la maîtrise de soi là ne serait pas comme les dons spirituels. Hein? Les dons spirituels, si tu viens, tu me dis, pasteur, j'ai besoin du don, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition de main. C'est communicable. Je peux te dire à genoux, toi, là, reçois, touch. Tu tombes, tu te relèves. Mais quand tu dis à Dieu, brise-moi, ça ne se reçoit pas comme les dons spirituels. Non, non. Le Seigneur va te mettre devant des réalités qui vont te demander de te soumettre ou de te rabaisser pour vivre le brisement de Dieu. Et quand tu dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la colère, frère, Dieu va maintenant te donner des gens qui vont commencer encore à t'énerver pour que tu apprennes à développer la maîtrise de soi. C'est comme ça que moi, Dieu m'a travaillé. Tu sens, nous autres, nous tremblons. Mais le Saint-Esprit te dit, douceur, douceur. Tu sens que tu voulais partir, tu reviens. Mais comment j'ai appris à surmonter ma colère? Quand c'était autrefois, quand je suis en colère, je me tais. Je ne parle pas. Je préfère même garder le silence. Une semaine, deux semaines. On ne parle pas. Pourquoi le temps pour moi de digérer? Je dois vraiment me ressaisir de peur de dire certaines choses que je ne saurais pas. Bien aimé, vous savez, une parole qui sort dans ta bouche, même avec quatre ou six chevaux, tu auras du mal à la ramener. Tu sais ça? Une parole qui sort de ta bouche là, même avec quatre chevaux, tu auras du mal à rattraper cette parole là et la ramener dans ta bouche. Et elle, quoi, maïsé, sopani, frère. Osons ça, on a cantine. Alors, moi, c'était quoi le problème? Quand on se dispute, on se chamaille. Si tu pars sur le champ, j'oublie. Si seulement je te revois, c'est comme si les gamongo et autant les ganara si, siko. C'est ce que j'étais autrefois. Mais Dieu m'a appris à me maîtriser, à me contenir. Et je suis resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Chers frères, notre manière de gérer la colère diffère de la manière dont les femmes gèrent leur colère. Une femme, pour se défouler, quand elle est en colère, il faut qu'elle parle.
Pendant qu'elle parle là, ne pense pas qu'elle est en train de parler parce qu'elle est fâchée. Non. Plus elle est en train de parler, plus elle est en train de se vider. Maintenant, l'homme, plus il s'était, plus il est en train de s'énerver. Ce qui fait que vous pouvez être ensemble dans votre maison. Maman, tu es en train de parler. Cet homme-là était calme. À ta grande surprise, coup de tête, point. Tu dis, mais il n'a rien dit. Non, lui, il est en train d'emmagasiner. Il a magasiné. Maintenant, là, pour s'exprimer, coup de poing, coup. Et là, tu dis, hey, tu m'as tapé avec le sang dans la bouche. Mais, c'est pire encore quand un homme qui est colérique est bavard. Lui, là, il faut lui trouver un autre nom. Il y a de faire comme ça. Lui, quand il est en colère, il va parler, il va parler. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, dans des couples, l'homme et la femme qui s'insultent devant les enfants. Toi, tu es ceci, l'autre lance. Et demain après demain, après s'être insulté, tu vas encore le voir en route, bras dessus. Comment vous faites? Voyez-vous? Bien aimé frère, ce sont des exemples que je donne, mais je dis aux fidèles du centre missionnaire Manaïm, ne faites pas ça chez vous. Parce que nous n'avons pas le même cœur, nous n'avons pas le même tempérament. Elle peut pardonner, mais est-ce que tu es sûr qu'elle a oublié? Parce que tu l'as traité de ceci, tu l'as traité de cela, tu l'as traité de faux rien, tu l'as traité. Vous allez vous rendre compte ici. Jésus dit, c'est lui qui se mettra en colère et dira, ah, la colère est liée, les paroles grossières, les insultes, le manque de respect. Bien-aimés frères, veillez sur votre colère. Apprenez à vous maîtriser. Apprenez à vous dompter. Comment est-ce que ta colère, tu ne sais pas le gérer, mais tu veux que Dieu te donne la capacité de maîtriser tes pulsions sexuelles? Ça ne marchera pas. C'est déjà quand tu es en colère, tu ne sais pas te maîtriser. Bien mes frères, les jours où tu auras des envies sexuelles, excusez le terme, tu ne sauras pas te maîtriser. Même si tu ne vas pas sortir pour tomber avec un homme. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, ils se livrent aux films obscènes. Ils vivent dans la masturbation. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à se maîtriser. Bien mes frères, tu veux diriger les gens, commence à te diriger toi-même. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le sage, le juge. Que c'est lui qui dira à son frère, raca, vaurien, imbécile ou encore idiot, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et c'est lui qui dira, insensé. Pourquoi? On est en train de dire parce que on s'est déjà mis en colère contre son frère. Pourquoi cela doit être puni? Parce que la Bible déclare, c'est lui qui se moque d'un pauvre. Il insulte le Dieu qu'il a créé. Donc toutes les fois où tu t'es mis à insulter quelqu'un, ce n'est pas la personne que tu as insulté. Tu as insulté le Dieu qu'il a créé ainsi. Bien aimé, moi dans ma vie, au-delà d'être colérique, j'étais un grand moqueur. Grand moqueur, frère. Grand moqueur. Oui, c'est parmi les choses qui m'ont créé beaucoup de problèmes dans la vie. Beaucoup de problèmes. Et combien de gens aujourd'hui vivent dans la moquerie? Combien de gens aujourd'hui vivent dans la moquerie? Parce que ce frère-là, il a un défaut corporel. Et vous en faites tout un sujet. Parce que ce frère-là ne parle pas un bon français. Et toutes les fois que vous êtes en face de lui, vous parlez français, pas parce que vous voulez, non. Botinga agafé pour ce que Sabino. Ok, le rabeta il est l'eau. T'es bien mon tobanda gang. Et si c'était toi, voyez-vous, si c'était toi, les choses que tu dis sur les autres, si c'était vraiment à toi qu'on a dit cela, est-ce que tu allais être content? Bien-aimés frères, vous savez, par moments, j'ai grandi avec ces principes. Avant de blesser quelqu'un, je me blesse moi-même. Avant de te faire du mal, je me fais du mal à moi-même parce que je me dis, je suis humain. La dignité, la personnalité. Si c'était à moi qu'on a dit de telles choses, ou on a tenu de tels propos, est-ce que ça allait me réjouir? Non, je ne le ferai pas pour autrui. Alors, je m'arrête là. Ephésiens chapitre 4, le verset 26 et le verset 27. Je m'arrête là.
comme conseil, on va prier. Ephésiens 4, le verset 25, le verset 26, plutôt le verset 27. Ephésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le verset suivant. Et ne donnez pas accès au diable. Donc, entre toi et le diable, il y a une porte. La Bible déclare, c'est le texte d'Ephésiens, ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que le meurtre peut être les conséquences de la colère. Les paroles grossières, les insultes, la calomnie, les moqueries. Ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Job, ce que j'aime, la Bible déclare, dans tout ce que Job a connu, Job ne pécha point. C'est possible, frère. Tu es en colère, tu es blessé. Vaut mieux te taire et ne rien dire. Jusqu'à ce que tu te sentiras prêt. Là, je ne suis pas en train de parler de l'éloignement. Où tu ne parles plus aux gens, tu n'adresses plus la parole aux gens, tu décrètes ton environnement où tu vis seul. Non, je me dis seulement, donne-toi le temps pour toi de digérer. Parce qu'il y a des familles, des foyers aujourd'hui qui sont divisés, désunis, seulement parce que maman est colérique, papa est colérique et ils ne savent pas gérer leur colère. Sous la colère, ils se sont dit certaines choses. Et c'est encore devant les enfants. Vous, quand vous allez entrer en chambre, vous allez vous parler, vous allez vous pardonner, vous allez oublier et passer à autre chose. Est-ce que les enfants que vous avez blessés, est-ce que vous avez eu le temps de demander pardon à ces enfants-là? Est-ce que vous avez eu le temps de bander leurs blessures? Parce que très généralement dans une maison, beaucoup d'enfants sont attachés à maman. Et papa, quand tu t'es mis à tabasser leur mère, tu t'es mis à l'insulter devant les enfants. Et demain, après-demain, tu voudras que ces enfants-là te respectent. Ces enfants-là t'ont vu insulter, dénigrer, diminuer leur père. Et demain, quand tu voudras donner des conseils à ces enfants-là, tu penses que cette fille-là, elle sera prête à t'écouter? Mais non, tu n'es pas un modèle. La Bible déclare, si vous vous mettez en colère, ici la Bible ne dit pas, ne vous mettez jamais en colère, non. Vous mettre en colère, c'est possible, c'est inévitable. Avec tout ce à quoi nous faisons face, c'est possible. Mais en te mettant en colère là, la Bible déclare, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Le diable est un grand conseiller. Il a été dit, la nuit porte quoi? Conseil. Mais quel type de conseil? Ouais. Ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un. Vous avez appris qu'il a été dit, c'est lui qui tuera, mérite d'être jugé. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui se met en colère. C'est lui-là mérite d'être jugé. On ne s'attaque pas aux actes, aux actions des hommes, mais jugeons beaucoup plus le cœur. Je voudrais ce soir que quelqu'un, après avoir entendu cette parole, et que tu dises à Dieu, j'ai besoin de toi. Si tu sais que tu es colérique, ou dans ton environnement, il y a des gens, des hommes colériques, tu peux prier. Est-ce que quelqu'un peut-il élever la voix et parler à Dieu? Prie le Seigneur. Si tu es colérique, tu peux ce soir dire à Dieu, Seigneur, change-moi. Transforme-moi, fais-moi grâce. Aide-moi. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Si tu es moqueur, tu vis dans le mépris.
tu ne sais pas reconnaître les hommes et les traiter à leur juste valeur, c'est aussi un défaut, c'est une faiblesse. Tu peux ce soir dire à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi, fais-moi grâce. Si j'avais dit ce soir, renversons les autels du célibat, les autels qui s'opposent à notre épanouissement financier. Je suis allé prier avec ferveur. Nous l'avons toujours dit, tu peux vaincre le célibat par la prière, mais le divorce peut être réclamé par la colère. Ce que Jésus a commencé à faire avant d'enseigner. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta faveur. Peut-être toi tu n'es pas colérique, mais tu es femme. Tu peux épouser un homme colérique qui sera pour toi une occasion de chute. Peut-être tu es un homme doux. Tu peux épouser une femme colérique qui sera pour toi une occasion de chute. Est-ce que tu peux prendre ce sujet de prière au sérieux et dire à Jésus, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que de ma bouche ne sorte pas de paroles grossières. Que les insultes soient loin de moi. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour ma famille, pour mes enfants, pour mes fils biologiques ainsi que spirituels. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que mon cœur soit transformé. Que rien du passé ne me rattrape. Est-ce que tu peux te sentir libre ce soir? Est-ce que tu peux communier avec le Seigneur? Peux-tu dire à Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Siméon et Lévi ont été maudits par Jacob parce que leur colère était violente. Leur colère était cruelle. Malgré la repentance de Sichem, ils n'ont pas pu se contenir. Ils sont allés tuer un homme qui avait reconnu et avait accepté d'honorer leur sœur. Moïse qui était sorti de cette lignée-là, il n'a pas pu entrer en Canaan parce que Dieu lui a dit, parle. Lui, il a frappé. Il était sorti de la lignée de Lévi, une famille où le grand-père était colérique. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, que le combat où les démons qui ont vaincu mes parents ne puissent pas me vaincre. Les habitudes qui ont détruit la vie de mon père et la vie de ma mère. Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas finir divorcé. Je ne vais pas finir divorcé comme ma mère, comme mon père, à cause de telle et telle autre chose. Prends ce sujet de prière au sérieux. Prie pour ta destinée. Prie pour ta progéniture. Dis à Dieu que Dieu te régénère et te transforme. Aïe. Combien de parents maudissent leurs enfants? Combien de pères dans la foi maudissent leurs fils? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur colère. Parce qu'ils ne savent pas se maîtriser. Oh Dieu de gloire. La reda sota la baya. Karabashata la baya. Araba sota la baka. Korebeka santelia. Prata la babash. La Bible gloire. Si tu es devant l'autel. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas que c'est toi qui as quelque chose contre lui. Comment peux-tu vouloir? Oh, rendre un culte à Dieu avec le mal dans le cœur. Laisse-la ton offrande. Va d'abord arranger. Tu peux ce soir dire à Jésus, fais-moi grâce. Je veux te servir. Je veux être un homme bien. Je ne veux pas être une occasion de chute. Je ne veux pas blesser. Je ne veux pas trahir. Je ne veux pas éternel. Exciter la colère de ceux qui luttent avec
grâce. Aide-moi. Aïe. Oh mon Dieu, oh mon... Prie le Seigneur. Prie Dieu. Que Dieu ne fasse pas de toi. Que tu ne sois pas un homme colérique plutôt. Mais que tu ne sois pas aussi celui qui va exciter la colère des autres. Que tu ne sois pas une occasion de chute. Il y a des hommes qui luttent. Ils veulent passer à autre chose. Mais le diable peut passer par toi pour que cet homme qui lutte avec sa colère commence de plus en plus à s'énerver. Oh non, répands ton cœur devant le trône de Dieu. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Précieux Saint-Esprit, fais-nous grâce. Alléluia. 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 Corama shota la baya. Male sopra da la bakos. Itara da la bash. Corada la mashota la baya. A ma père, je prie au nom de Jésus. Fais-nous grâce, oh Dieu. Mets ta main sur le cœur. Je veux prier ensemble avec toi. Matthieu 15, 19, la Bible déclare, c'est du cœur que viennent toutes ces choses, c'est du cœur. C'est du cœur que viennent le meurtre, c'est du cœur que viennent les impudicités, c'est du cœur que vient le vol, c'est du cœur que vient le rancune, calomnie, la moquerie. Et autre chose, c'est du cœur que viennent ces choses. Ta main sur le cœur, je vais prier. Abba, le Dieu de toute grâce. C'est toi qui nous as taillés, façonnés de toutes pièces. C'est toi qui nous as créés, formés. Seigneur, tu connais les faiblesses de chacun d'entre nous ici devant l'autel. Seigneur Dieu de gloire, vois ces cœurs que nous te présentons. Seigneur éternel, Dieu de gloire, la légèreté, le blague de mauvais goût, la plaisanterie, les paroles grossières, insultes, et d'autres choses, Abba, que je ne saurais pas énumérer ici, Seigneur, qui est enfoui dans le cœur. Car tous devant l'autel, nous paraissons comme de saints. Mais chacun d'entre nous, comme Naaman le Syrien, on peut être général, mais il y a toujours une lèpre quelque part. Et nous avons besoin de la parole d'un oint qui va nous donner la direction du Jourdain pour que nous soyons guéris de notre lèpre. Seigneur Dieu de grâce, par ton esprit, tu m'as inspiré ce thème afin que j'annonce ta parole à ton peuple et que cet enseignement me recadre moi-même. Seigneur, je prie éternel Dieu de gloire, travaille nos cœurs, change-nous, transforme-nous. Nous voulons te ressembler, Jésus. Que ceux qui étaient colériques, éternel Dieu de gloire, en soient délivrés. Seigneur, que ceux qui étaient une occasion de chute pour les autres, Seigneur éternel, apprends-nous. Seigneur, à ne pas le faire. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit fasse le travail. Selon notre tempérament, que nous soyons flegmatiques, que nous soyons mélancoliques, que nous soyons sanguins. Seigneur, je prie au nom de Jésus, fais-nous grâce, Abba Père. Transforme-nous, ô Dieu. Régénère notre homme intérieur. Apprends-nous à nous dompter. Apprends-nous à nous maîtriser. Apprends-nous à maîtriser notre langue. Apprends-nous à gérer notre colère. Que nous ne puissions pas, Seigneur éternel, détruire ce que nous avons bâti, construit en termes de relations, intimité, Seigneur éternel, Dieu de gloire, dans notre environnement. Adonai, le roi des grâces, à genoux devant ton trône, je prie pour mon cœur. Je prie pour l'Église tout entière. Ôte la lèpre dans nos cœurs. Moïse était un homme bon, il est dit, il était l'homme le plus patient dans la maison de Dieu. Mais c'est au buisson ardent que
que le cœur de Moïse a été révélé. L'homme le plus patient était colérique. L'homme le plus patient, il a manifesté sa rébellion. Seigneur éternel, Dieu de gloire, face à l'instruction. Seigneur, fais-nous grâce. Que notre folie ne soit pas exposée. Que nos faiblesses, éternel Dieu de gloire, ne soient pas étalées. Même ces choses avec lesquelles nous luttons, Seigneur, dans les lieux secrets. Seigneur, aide-nous à le vaincre. Aide-nous à les surmonter. Et que ce jour-là, Seigneur éternel, que nous puissions, ô Dieu de gloire, dire comme Jésus, Seigneur éternel, selon ce qui est dit dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 1er, ce que Jésus a commencé à faire avant d'enseigner. Aide-nous, Seigneur, transforme-nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. On acclame le Seigneur.